L'objectif de cette première édition du Salon de l'épargne est de participer d'abord à l'inclusion et à l'éducation financière. Deuxième objectif, et qui n'est pas de moindre, c'est de créer un espace de débat entre les professionnels de l'épargne surtout et le grand public. Parce que, comme vous avez remarqué, nous avons ouvert ce salon au grand public pendant les 2 jours, samedi et dimanche, et nous avons prévu aussi beaucoup de conférences thématiques. C'est-à-dire que chaque institution ici présente et qui participe justement et qui a des produits qui sont spécialisés dans l'épargne va pouvoir communiquer sur ce produit de façon à approcher les épargnants à ce marché qui dispose de beaucoup de produits et qui sont très diversifiés. Et parce qu'il ne faut pas oublier surtout que le marché des capitaux au Maroc s'est très très bien développé et donc ces composantes ou là cet écosystème qui le compose a créé aussi beaucoup de produits et il veut aussi se lancer dans des opportunités pour créer une approche participative et directe surtout vers cet épargnant qui lui aussi cherche à faire fructifier son épargne. Thank you.